Moi, ici, pour renouveler l'engagement, moi, je prends comme ministre condition femme, avec droit femme, pour ne pas oublier aucune femme, quelle que soit la condition à vivre, quelle que soit côté yoyé sur le territoire national. Là. Moi, ici, pour venir porter solidarité, par toute femme active qui fait en prison ici. Là. Côté, nous connaissons les conditions, yo pas facile. Les gens sont ici à montrer nous à clair l'importance que le conseil présidentiel de transition et gouvernement accordé par les femmes en général, et spécialement les femmes qui sont en condition qui sont plus vulnérables. Moi, je connais un moment de vivre difficile en plus. Mais qui entoure nous, qui semble même impossible pour nous jambes. Mais moi, là, pour me dire nous, à tout terme, que prison n'a pas dû définir l'avenir. Nous, chaque qui a des capacités pour faire épreuve ça, tourner une opportunité pour nous lever tête, pour nous rebondir, pour nous grandir, et puis rebâtir la vie nous comme ça doit. En dedans, en coup dehors, la vie n'a pas jamais trop facile pour les femmes. Nous toujours obligés de bataille pour nous défendre les droits nous et puis jouer une justice. Comme femme, moi connais plus passer tout le monde, ça veut dire résistance. Nous connais ça veut dire qu'il y a des femmes pour lutter. C'est force ça, moi demande nous, pour nous développer plus chaque jour. Parce que c'est lui-même qui permet de nous sortir plus fort dans l'épreuve ça dans la vie aujourd'hui. Le gouvernement a travaillé pour renforcer le programme de réhabilitation. À réintégration qui permet de nous joindre opportunité pour nous reconstruire la vie nous une fois nous sortir dans l'espace ça conseil moi pour nous c'est moi yo c'est pour nous pas jamais quitter découragement faire nous perdre l'espoir toujours songer après la pluie soleil la ka lever dans situation difficile ça il est important pour nous chercher qu'embe dignité nous. Et puis, quoi est notre capacité nous, pour nous changer les conditions de la vie nous. Je renouvelle l'engagement moi comme ministre des conditions femmes et des droits femmes pour continuer à plaider pour nous traiter nous avec respect. Nous méritons en prison. Je promets nous, je continue la bataille pour défendre les droits nous et puis garantir nous une justice sans parti pris. Égalité n'a pas cherché à, il doit arriver en dans prison, il a toujours dit. Femme doit avoir accès égal dans toute activité à programme important qui permet de reconstruire tête. Femme active en sédio. Pendant qu'elle est en détention, doit joindre soin qui est approprié dans un environnement qui est adapté à besoin. Prisonnier, c'est mon lieu de respecter les droits. Nous avons mené une bataille, nous pas pour compte nous la donne. Directeur administration pénitentiaire engagé et nous-mêmes tout comme l'État nous engager nous bon côté dans bataille la mener pour changer les conditions femmes qui vivent dans prison. Nous plus parler de complexe pénitentiaire les nous voit ici à Kounia, alors que c'est un centre qui est dédié particulièrement aux mineurs. Donc malheureusement la force des choses conduit nous aujourd'hui à gagner un espace qui regroupe adultes, mineurs et femmes. Dans pile l'effort que nous avons essayé de déployer, parce que nous estimons que nous avons le droit à s'enrêler dignité et respect dans le traitement que nous devons offrir. Donc, mesdames, c'est à bonne surprise que nous avons préservé pour nous pour fin d'année. En pile l'effort fait sous ça pour permettre à ce que nous déplacer nous ici à permettre que nous rejoignions l'espace habituel nous pour nous capables de rejouir ou bien reprendre droit nous pour nous vivre en tant que femmes dans l'espace qui ferme ça. Donc c'est une promesse, nous travaillons sur ça. Madame ministre là, ministre Françoise Suzanne, a travaillé sur ça, mettez avec ministre Justice là, ensemble avec DAPA pour nous débloquer la situation ça et changer l'ordre des choses avant même que l'année a changé. Nous disons bien, c'est une promesse. Donc, nous avons travaillé sur nous. Dans toute prison pays, les prisonniers, normalement, nous avons la possibilité pour prendre un petit temps d'épanouissement ensemble avec le personnel. Par la force des choses,
je nous t'ai souhaité bah yo passé là yo pas évoluer comme ça mais nous demandé à tout responsable dans tout cap coin pays là pour continuer fort quand même parce que nous toujours voulons que journée ça il était une journée spéciale qui marquait l'esprit de Dieu pour montrer à quelque part yo compter toujours dans Haïti ça. Donc c'est pas parce que yo des baroua pour comprendre que yo relégué au dernier plan et que yo totalement oublié. Donc jodi a c'est un jour nous toujours vivre vers yo même pour nous dire que yo dans l'esprit nous, yo compter pour nous et nous a travailler de telle sorte à ce que pour nous permettre de réintégrer société ça comme il se doit. Moi pas voulu souhaiter avec prisonnier une bonne fête. Moi préférer dire nous prend pile courage. Continuez kembe, pas laguer. Nous avons personnel qui bon côté nous capable accompagner nous au quotidien et y a permettre à ce que graduellement que nous prenons confiance de nous-mêmes et nous jusqu'à ce que nous vivions sortis de l'espace que nous y est là.